Bon tout le monde, bienvenue sur Espace ça. Pour tout le monde qui monte avec nous, papa ici là pour première fois, pas oublier. Il y a un bouton rouge en bas, on pèse pour capable rester connecté avec nous. Général retraité Abraham, erreur Abraham sorti dans le silence li. Il dit assez, c'est assez. Pendant que opposition avec Jovenel a joué une jouette, moi pas quitter pour vous, c'est vous pour quitter pour moi. Population lui-même a ben, la pire. D'abord, en entendant le discours, général retraité Abraham te baye, dans ces circonstances, en faisant entendre l'ensemble. Haïtiens, haïtiennes, c'est avec beaucoup de tristesse que moi, le temps général retraité et Abraham FADH, je m'adresse à vous aujourd'hui où mon pays, notre patrie Haïti, se retrouve dans l'impasse. Nos fils, filles, petits-fils, petites-filles, estimant que leurs cris ne sont pas entendus, s'entre-déchirent dans les rues, détruisent le peu d'infrastructures, de bâtiments publics, de maisons de commerce qu'il nous reste. Nous souffrons, nous perdons tous de l'espoir un peu plus chaque jour. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Une fois de plus, le patriote concerné que je suis, s'acharne à trouver une issue bénéfique à cette crise qui n'a que trop duré. Après beaucoup de consultations et maintes réflexions, j'exhorte toutes les forces vives de la nation, spécialement les femmes et les jeunes, à œuvrer pour une solution susceptible de redresser la barque nationale. De ce fait, j'invite tous les patriotes, les leaders communautaires, à me rejoindre pour nous impliquer dans la recherche, la validation et l'accompagnement d'une option salutaire qui devra mener Haïti vers une destinée stable et prospère. Vous, les élus du peuple, qui êtes au cœur du scandale, faites preuve de dépassement et de bonne foi en appuyant, en améliorant et en accompagnant cette initiative. Soyons unis, chers compatriotes, pour éviter une nouvelle souillure de la première République noire du monde. Travaillons ensemble pour faire d'Haïti un pays accueillant, propre, vert, pour qu'on n'ose jamais plus le traiter de shithole. Disons tous non à la haine, non à la confrontation, non à la pauvreté, non à la misère, non à l'impunité, non à la corruption, non aux inégalités, non au monopole, mais oui à l'inclusion, oui à la solidarité, oui à l'entraide, oui à l'abondance, oui à l'amour. Que Dieu nous garde et bénisse Haïti. En fait, c'était discours, général, c'était Abraham, justement, qui a demandé pour que y ait un dépassement de soi et lui offrit, justement, pour être capable d'être acteur dans la solution à la crise-là. Et demandé approbation différentes monde qui a mené bataille là pour que il accompagné initiative ça. Ça veut dire qui ça? Il y a différents acteurs qui ont fait des propositions, qui ont pris des initiatives. Et si ça t'avait dit, Abraham proposé pour le jouer un rôle de leadership, justement, pour le jouer un rôle d'unité rassembleur en différents acteurs, puisqu'il dit pour tout débat, tu as accompagné dans l'initiative ça. Qu'il voulait prendre pour le soutenir, parce qu'il proposait tête li justement, pour le un élément de solution, un élément d'unité en différentes fractures société. Et il dit bien, c'est après il fait un pile consultation et même réflexion, et il exerce, il vient offrir tête li comme élément qui est capable de rassembler tout acteur. Il invite leader, communautaire, patriote pour rejoindre lui. Pour impliquer dans la recherche, validation, accompagnement d'une option salutaire qui a mené son destinée stable et salutaire. Donc, on dit bien, dans sa salle, il a invité pour tout le monde qui nous rejoint. Il n'y a pas oublié que, au niveau de monde qui a battu sur le terrain, il y a une grande structure, il a invité l'autre monde qui nous rejoint. Donc, on voit que, il y a plusieurs acteurs qui ont essayé d'impliquer davantage pour montrer que, eh bien, yo c'est un élément de solution, c'est yo qui gagne, qui capable de bailler solution. Et crise capteur à ce pays, nous pensons que c'est très simple.
il faut que le monde comprenne que Jovenel sont un élément décisif dans le pays. Donc, et, on peut avoir un scénario à plusieurs façons. Kembe Jovenel. Ok. Qui ça, ça offre nous? Est-ce que la banon yon stabilité? Nous vivons trop déjà d'instabilité. Qui ne fait que moi-même avec un bon lot citoyen, nous avons en paix pour nous faire Kembe Jovenel sous pouvoir. Parce que nous pas tellement quoi que la PK garantit stabilité, sécurité des vies et des biens. Parce que ça fait plusieurs temps que nous avons même bagaille. Si nous avons une solution durable, je pense que nous avons pris une autre alternative, bien entendu. Nous avons essayé une autre bagaille. Ok? Nous avons essayé une autre structure de pouvoir. Et donc, il y a une fois de plus qui s'est identifié comme un patriote, qui a exhorté tout le monde pour faire un coup des épaules pour est-ce que nous n'avons pas sauvé le pays, ça, parce que ce n'est pas non dit, bien entendu. Et, mais nous autres, nous beaucoup, ouais. Nous beaucoup ouais vraiment solution, nous beaucoup ouais et qui je n'a fait sorti non ça n'y a, mais si on va avec clair nous pas capable continuer et nous beau garanti gon lait pour un véritable soulèvement pour tout le monde et tout ça qu'a fait là c'est jouet par bon on soulèvement pour tout le monde vous dit pour mon dit que au bouquet et l'état et l'instance internationale a obligé de décider pour que nous passions dans l'autre étape. Seconde page, il est presque tourné là. Il faut tout le monde tomber d'accord sur ça. Donc voilà, on a voté update ça pour ne pas oublier d'être attaché avec nous. Et ne pas oublier de subscribe sur ce channel là pour qu'on puisse avoir une analyse, information que nous toujours partager avec vous tout au cours de la journée. Portez-vous bien.